au terme de plus de 10 années de combats interministériels, cette prime devient réalité et ce n'est que justice parce que aujourd'hui j'ai aussi pu constater, comme j'avais pu le faire dans d'autres bataillons de la région, l'excellence de nos bataillons de montagne, l'excellence de leur formation, mais j'avais aussi pu le constater sur le terrain, en théâtre d'opérations extérieures, où je les croise très régulièrement et où je peux mesurer leur capacité d'adaptation dans des univers extrêmement hostiles, tantôt très froids, tantôt très chauds, mais auxquels ils apportent tout leur savoir-faire. Donc ce n'était que justice, comme je l'ai dit, c'est une prime d'un montant conséquent qui s'étage entre 150 et 350 euros et qui, je crois, était très attendue, mais je pense que nos soldats vont attendre de la constater sur leur compte en banque avant de véritablement, je pense, y croire, tant le temps leur a peut-être paru long.